Le dynamique Mkonto Christian, bourgmestre de la commune de Fungurume dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est publicité pour s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo par le travail, la vertu, les actions des grandes envergures sur les plans politiques, administratifs, professionnels, économiques, philanthropiques, sociaux, culturels et sportifs au service de la nation congolaise par le membre du jury de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, OCBG. Ici, le directeur de cette plateforme place un mot juste à l'endroit du bourgmestre de la commune de Fungurume. Nous avons appris, n'est-ce pas, des échos positifs, des gestions des choses publiques dont vous faites preuve. Cette gestion rentre dans la ligne droite de la vision du chef de l'État qui tient la politique de la bonne gouvernance, de la lutte contre l'impunité, contre les antivaleurs. Et c'est ce que nous devons venir sur place ici dans la province pour pouvoir vous rendre honneur et gloire au regard de cet engagement qui, quand avec le leadership de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, toutes nos félicitations, nous sommes là pour vous accompagner. Nous croyons en vous, nous croyons en votre leadership et nous croyons que Fungurume va devoir émerger sur la scène nationale en tant que territoire émergent. Merci beaucoup. L'homme a un cœur de chair, bienveillant et beau de visage. Son excellentissime Christian Mkonto dédie ses diplômes mérités à la population de Fungurume et son cabinet de travail. Un motif de satisfaction pour lui. Sinon, remercier les initiateurs de la présente cérémonie, comme vous venez de le voir, j'ai supprimé et par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance. Je viens de recevoir un diplôme d'honneur, d'excellence et de mérite. Donc c'est pour moi une grande joie et je dédie ce diplôme à toute la communauté de Fungurume et qu'il trouve ici vraiment toute mon appréciation ainsi que pour toute l'équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler pour relever le défi qui est celui de rendre Fungurume de demain une ville. Subvenir aux besoins de ses proches reste un souci majeur de cet homme généreux. Un bon père de famille, Christian Mkonto, remercie cette structure d'observatoire de la bonne gouvernance de porter leur choix sur lui.